Faire une prise de sang et compléter un questionnaire médical et sur les habitudes de vie, c'est tout ce que j'ai eu à faire pour rejoindre une grande chaîne d'entraide pour combattre les maladies cardiovasculaires, la Biobanque de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je m'appelle Audrey Sirois, j'ai 26 ans et je suis la 20 000e participante à la Biobanque de l'Institut. J'y participe pour soutenir la recherche sur les maladies cardiovasculaires et je me sens d'autant plus concernée parce que je suis née avec une malformation cardiaque. David Busseuil, chercheur et directeur de la Biobanque de l'Institut de cardiologie de Montréal. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde. Si on veut bien traiter ces maladies, il faut d'abord bien les comprendre. Le rôle de la biobanque est d'étudier les liens qui existent entre la génétique et ces maladies cardiovasculaires. Grâce à la biobanque, l'Institut de cardiologie de Montréal contribue au développement de diagnostics plus précis, plus rapides et de traitements plus personnalisés. Merci à Audrey et à tous nos participants de soutenir la recherche.